Scabia, franchement, fallait le trouver. Bravo, Marcella. C'est pas Christine Bravo qui aurait trouvé ça. Ça fait plaisir quand même. En plus, je le remets pas. On parle beaucoup d'art dans la presse aujourd'hui. Christine, vous n'êtes pas au courant alors? Non, non. Parce qu'effectivement, ce week-end, j'ai pas lu. Comment ça, vous n'avez pas lu? La presse. Oui, mais quand même. Je vendais mes fringues sur Vestiaire Collective et. Qu'est-ce que tu faisais, c'est que ça? Il fallait qu'il n'y ait pas de lumière, donc j'ai fermé les volets. Mais qu'est-ce que j'ai c'est pris, que ça et bah, c'est, tu vends tout ce que t'as. T'as plus de sous? Si, mais je pourrais en avoir plus. Plutôt que filer à Emmaüs, tu vends aux pauvres. Tu rigoles, c'est des pompes Chanel et tout ça. Et mais je vais pas récolté... filer à Emmaüs. T'as récolté combien? Oh, pas encore, c'est en vente. Quelle horreur. Pourquoi t'avais des pompes Chanel, mais ça fait un moment que tu les portes pas. Hein. Mais t'imagines, le vrai... est-ce que tu marques que c'est à toi, genre le vrai manteau de Christine non, pas Bravo du tout, pas Mais du pourquoi tout. Il faut être dans le noir, je ne comprends ouais. pas. Pour faire des photos. Ah ouais. Pour ah bah faire oui. des photos, c'est, pour avoir les vraies bien, couleurs. C'est bien connu, ça marche mieux les photos dans le noir. Pour avoir les vraies couleurs, par exemple un bleu ou un noir, c'est impossible à obtenir en lumière. Ouais. Si tu prends du noir dans le noir, un appareil photo en lumière, tu vas avoir un bleu marine. Pourquoi vous riez, Bernard? Non, parce que je comprends rien de ce qu'elle raconte. C'est qu'elle prend des, en photo des trucs noirs dans le noir. Noirs dans moi, le noir. Moi, c'est ça. Moi, j'avais un copain qui disait, moi, j'ai arrêté de donner mes costumes à l'abbé Pierre. Je le vois à la télé, il ne l'aimait jamais. Marcella Yacoub, vous êtes un peu surprise hein, par Christine Bravo, je sens. Ah non, moi, je me dis un jour aussi que je vais vendre mes chapeaux. J'en ai à peu près 200 chapeaux. 200 chapeaux et oui, bah, oui. Et bah, vous pouvez les mettre sur des sites. Et bah, les photographier dans le noir. Ah, vous pouvez les confier à Christine Bravo, elle travaille du chapeau. Ça coûte combien, ça, dans le commerce? Dans le commerce, ça dépend. Oh, 100 euros. 100 euros ? C'est un beau chapeau, je peux vous le prendre. Elle peut te le voir à 250 euros. Je fais une. Parce qu'ils prennent une commission sur mais le site. Mais pas celui-là. Je vais pas les vendre tout de suite. Tu fais d'accord. pas les slips d'hommes parce que j'en ai affilé si tu veux.